Est-ce que la diode rouge remarche? Alors, elle marche sur la vieille version. Sur la vieille version? Oui, sur Scratch 1.4. Je vais vous le mettre, hein, si vous voulez. Vous pouvez me faire une petite démo? Bien sûr, avec plaisir. Alors... Donc là, tu l'as en Scratch? Là, je vais dans Scratch, Scratch GPIO 1.4, et donc sous Raspberry Pi. Hop, j'ouvre le Simon. Donc graphiquement, il n'est pas très joli. Ce qui est intéressant, c'est la boîte. Hop, je valide et on va pouvoir commencer le jeu. Voilà. Et ben non, ça plante. La rouge fonctionne, yes. Alors rouge, je crois. Rouge. Donc au fur et à mesure, là, il m'a fait deux codes couleurs. Maintenant, il va me faire un troisième. Donc j'ai rouge. Vert maintenant. Et non, bon, bah désolé. Ça plante. D'accord. Encore le vert. Tu peux me montrer aussi avec le Raspberry ce que tu as fait avec le Laser Game Raspberry et Scratch. Alors. Hop. On a un laser. Un laser qui a été mis dans un pistolet, un jouet qu'on a acheté dans une brocante. Un laser, un petit bouton. Et sur une framboise qui a été faite en découpeuse laser. On a une cellule photorésistante. Donc le principe, avec le laser, on vise la cible et on tire. Bon, là j'ai perdu. Allez, on va éviter de trembler. Ah ! Voilà. Yes, là c'est bon. Alors maintenant je vais avoir 5 secondes pour tirer et marquer. J'ai perdu. Alors là, ça va être plus dur parce que j'ai 5 secondes et en plus, la cible va bouger. Et j'ai perdu encore. Je suis pas très bonne pour les jeux. Maintenant, en plus, j'ai 3 secondes et elle va bouger encore plus vite. Et j'ai perdu. Donc, total de 0 sur 0. Merci, je vois que tu fais moins bonne que... Alors, on te dit coucou, Sarah. Bonjour, moi, c'est Sarah. Eh ben oui, on te dit coucou, il y a quelqu'un qui est sur... Coucou. Parce que là, d'accord. je suis du... En périscope. En périscope, bah, donc tu peux faire... Merci. Je sais pas qui c'est, mais... Ça fait rien. Donc, on a fait coucou à Sarah. Hein. Vous avez fait coucou. Non, ça va au niveau de température, on est à... C'est bon, ça va. This is about Scratch on your mobile.
So you could have any Scratch project running on your mobile phone with this HTML5 player. And yeah, that's an opportunity for you if you want to run your project not on a normal computer but on your mobile, you can use that. You see Scratch as a line jumping through the Sulfurous player logo on the mobile. And that's a matter of that booth here. Okay, thank you. Pour le dessin, ils sont 3 ou 4. Pour la live sketch, 3 or 4 people. I don't know exactly. Oui, là, il y en a deux en fait. Elle est en 3 dimensions, comme ça, là et là. Et on peut aller les voir si vous voulez. Ils sont dans l'amphi à côté, des gens qui préparent. Je vais aller dans l'amphi les voir, les dessins. Normalement, ils sont en train de les faire en ce moment. Grand amphithéâtre. Oui, il y a du monde qui dessine. On peut aller voir. Oui. Grand silence. Je
Alors pour répondre à la question, c'est la première en France, il me semble, de Scratch. On retourne dans la rue, donc c'est la grande allée à l'intérieur du centre de l'école où on est à Bordeaux. Attends, je vais te passer Didier. Didier, tu as le bonjour d'une certaine Kat sur Twitter. Bonjour Kat. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ce que je fais ici? Non, je raconte. Bien, je suis là en présence de Christophe Battier qui filme, on se demande pourquoi, qui erre dans les couloirs de l'Enserbe à la recherche sans doute d'un scoop. Je ne sais pas. Regarde, c'est Kat là. Tu connais son Twitter? Attends, merci, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je sais pas. Non, merci. Je connais. Non, voilà. Merci Didier. Fais son modeste. Bon, on va arrêter là. Merci, à la prochaine.